Imaginez confier son cœur à un robot. Le CHU de Rouen est le seul hôpital de France à utiliser cette technique pour des opérations de la valve mitrale. Les deux chirurgiens qui pilotent le robot opéraient aujourd'hui leur 5e patient depuis le mois de mars. Julie Aulette et Myriam Libert ont pu assister à cette intervention. Ce patient souffre d'une fuite de la valve mitrale, un clapet dans le cœur qui permet au sang de s'écouler dans le ventricule gauche. Depuis 2000, la technique en plein essor pour la réparer ou la changer est une chirurgie mini-invasive avec vidéo assistée à partir d'une petite incision dans laquelle le chirurgien manipule les instruments. Depuis mars, c'est le robot et ses quatre bras qui agissent. Un pour la vision, trois pour manipuler, avec un chirurgien aux manettes sur une console. L'avantage du robot, c'est de nous donner la capacité d'avoir une très bonne gestuelle à l'intérieur du malade, puisqu'on va pouvoir faire des gestes de plus d'amplitude de plus de 360 degrés. Donc ce qu'on ne peut pas avoir sur une chirurgie conventionnelle ou même sur une chirurgie mini-invasive, juste vidéo-assistée, puisque c'est notre poignet qui travaille et c'est plus le robot. Le chirurgien qui est à la console a une vision en trois dimensions à l'intérieur du cœur, donc une très belle vision. Et si on a une belle vision, on va avoir une meilleure appréciation des lésions. Et de fait, on va pouvoir faire un geste encore plus précis que quand on a une vision en deux dimensions. En chirurgie cardiaque, ils sont deux à utiliser ce robot et travaillent toujours en binôme. Un à la console, l'autre dans le champ opératoire au plus près du patient pour intervenir en cas de problème ou pratiquer des gestes moins faciles avec le robot. Il y a des choses qui sont assez compliquées avec le robot quand il s'agit de faire des nœuds avec des fils, enfin des choses comme ça. Il y en a un qui a une partition à jouer dans le champ opératoire et puis l'autre qui travaille à la console. Donc on est vraiment tout à fait complémentaires et c'est vraiment, je trouve, un intérêt majeur de travailler vraiment à quatre mains. Ce robot ne sert qu'une fois par mois pour ce type d'opération. Le reste du temps, il est utilisé par d'autres services comme l'urologie, la pédiatrie ou la chirurgie digestive.